Les enfants avaient l'habitude de se rendre au foyer socio-éducatif de Rémerat-les-Putelanges les mercredis matins pour participer à diverses activités. Certaines familles souhaitaient un accueil toute la journée, mais les demandes n'étaient pas assez nombreuses. Du côté de Putelanges-Lac, un accueil de loisirs existait il y a quelques années, puis a été abandonné faute d'inscription. Pour proposer une nouvelle offre d'animation pour les enfants sur leur territoire, les deux communes ont alors décidé de s'unir. On s'est dit pourquoi pas mutualiser nos demandes, nos besoins et ensuite notre efficacité sur le terrain en matière d'accueil de jeunes pour proposer des activités, le plus grand nombre d'activités au plus grand nombre de familles possibles. De Rémerat et de Putelanges. On va faire encore plus haut. Désormais, les jeunes sont accueillis toute la journée, le matin à Rémerat et l'après-midi à Putelanges, avec la possibilité de prendre le repas sur place. Un programme d'animation a été créé pour faire connaître différentes activités des communes. On sollicite en fait des associations de la commune de Putelanges pour des créneaux d'activités qu'on appelle initiation et découverte. Bon, tout ce qui va tourner autour du loisir créatif, du sport, de la culture. Par exemple, cet après-midi, donc, il y aura du tennis avec l'association de Putelanges. On a prévu du turling. Les enfants ont également la possibilité de s'inscrire uniquement pour l'activité qui les intéresse. Les inscriptions sont possibles auprès des périscolaires de Rémerat-Ilspriche et de Putelanges-au-Lac. L'accueil de loisirs est également ouvert aux enfants des communes alentour.